RMC, l'immanquable grande gueule. C'est un bonheur d'entreprendre en France. Les gens sont ouverts à l'entrepreneuriat. Regardez, je suis invitée ici. Une audience extraordinaire. Les gens ont envie de tester les nouveaux services. Vous savez, le français n'est pas du tout réfractaire aux nouveaux services. Au contraire, par exemple, il est le premier un des premiers pays consommateurs de l'iPhone. Donc, on est ouvert dans l'esprit. On a envie de tester. On a envie d'apprendre. On a envie d'aider les jeunes entrepreneurs. Il y a aussi plein d'aides publiques qui permettent d'entreprendre, grâce à la BPI notamment. Mais alors, plein pourquoi attendez, d'accord. Alors, si c'est un paradis, pourquoi autant de chômage, pourquoi aussi peu de création d'emplois en France ? Alors, c'est pas la même chose. On a la facilité d'entreprendre. Je pense qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Par exemple, il y a une étude qui a été faite auprès de la génération X, donc c'est les gens qui ont à peu près 20 ans aujourd'hui. On leur a demandé qu'est-ce que vous voudrez faire plus tard. À plus de 50%, ils ont répondu entrepreneur. Alors avant on disait fonctionnaire. Donc on a changé d'époque. Donc, non, mais la mentalité est en train d'évoluer. Et je pense que les jeunes se rendent compte qu'ils doivent prendre leur destin en main et qu'ils doivent créer leur propre emploi. Vous n'avez pas eu, vous, envie de partir à l'étranger, de partir aux États-Unis ? Surtout pas. Pourquoi ? Parce que j'aime mon pays, parce que je suis un produit de la France, parce que je suis un produit de l'éducation nationale, parce que je suis citoyenne, parce qu'on mange bien, parce qu'on a un pays élégant, de valeurs, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre, à transmettre, et parce qu'on doit aussi à son pays. Donc vous êtes fière d'être une entrepreneuse française en France ? Extrêmement fière. Alors, moi, perso, je n'avais rien. Ouais. J'avais mes diplômes en poche, un partenariat avec mes parents qui était que pendant un an, ils m'aidaient comme quand j'étais étudiante. Alors, je dois avouer que j'avais quelques économies parce que j'avais travaillé beaucoup très jeune. Alors, c'était pas grand chose, hein, j'avais 5000 euros et c'est tout. Et, un ordi, une coloc et puis du courage et beaucoup d'envie. Les charges sont lourdes, c'est certain, il faut pas se le cacher. On est un des pays qui a le plus de charges salariales en Europe, par exemple. C'est vrai, mais en même temps, moi je suis assez fière de me dire que on a la sécurité sociale qui est quand même un système qui fonctionne bien, qu'on a des droits et donc on a aussi des devoirs et ça a un coût. Il ne faut pas que ça augmente, mais je suis aussi assez heureuse de me dire que je peux apporter de la formation à mes salariés, qu'on a tous accès à la sécu, que la mutuelle, elle est aussi pour le conjoint dans son couple, qu'on a un congé maternité de 4 mois, ces choses-là qui n'existent pas partout dans le monde quand même. RMC, 1, 2, 3, 4, l'immanquable grande gueule.